Le contrôle de ses déplacements lors d'un slalom sur la boule passe par une action importante des pieds sur celle-ci. Lors du slalom, le corps de l'élève reste bien droit, même si le regard s'abaisse pour contrôler la trajectoire. Pour tourner, l'élève appuie sensiblement et plus ou moins à droite ou gauche du diamètre vertical de la boule. Il effectue aussi un quart de tour sur lui-même ou une rotation plus importante sur son propre axe vertical pour être dans le sens de son déplacement.